avez deux câbles qui sortent de l'aile, hein, voilà, un câble de cabré, un câble de piqué. Ici, on attache donc des câbles qui font 20 mètres à peu près de long. On a au bout de ces câbles, on met une poignée, voilà, une poignée comme ça, au bout desquels est attaché, sont attachés les câbles. Et quand on tire donc la poignée comme ça, ça tire sur ce câble, ça fait monter l'avion. Et quand on tire la poignée dans l'autre sens, quand on incline la poignée comme ça, ça tire sur ce câble et ça fait baisser l'avion. On voit ici c'est des vols circulaires. C'est un vol captif, un pilote au centre, un avion à l'extérieur qui tourne en rond de lui. Et il y a dans le vol circulaire 4 catégories, dont 3 ont un championnat de France. 3 qui sont l'acrobatie, c'est pareil que le patinage artistique, c'est-à-dire un programme de figures imposé, noté par des juges. C'est relativement simple, puisque tout le monde sait ce qui va se passer, et compliqué parce qu'il faut le noter. Ensuite, la vitesse, c'est un départ, c'est 1 km départ lancé, les vitesses maximum, les vitesses de record qui sont atteintes au niveau championnat du monde, c'est au-dessus de 300 à l'heure, au niveau d'un championnat de France, entre 295 et 300 à l'heure. Et les courses, troisième catégorie, donc ces trois avions volent en même temps, trois pilotes au centre, trois mécaniciens à l'extérieur, départ style... avec ravitaillement, donc un ou deux ravitaillements, le tout devant durer pour faire 10 km autour de 3 minutes 10. Je ne sais pas si c'est l'hélice qui a touché, mais il y a quelque chose qui a touché là-bas. Je crois que l'hélice a touché là-bas. Ouais. Il est hors, là.